croisais l'autre soir. C'était vers minuit, rue d'Athènes, la voyant seule qui se promène. Je lui dis, mon enfant, bonsoir. J'ajoutais à cette heure un dieu, que faites-vous donc dans la rue, naïvement et sans savoir. Elle dit, je fais le trottoir, c'est une gamine charmante, 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 qui possède une amie innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Elle a vraiment un nom charmant, Aspasie. Mon cher Fifi, titre la t'intéresse, écoute mes avis, dicté par la sagesse. On affirme que la vérité est mieux toute une fois, je proclame que la colette est pour la femme, la moitié de la beauté, les hommes ont été au rencontre de buter, discuter. Je mentir en donnant pleine satisfaction. Pour l'amour, je me sens des dispositions. À 6 heures, j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour. Pour l'amour, je me sens tellement en effet. Fait pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour l'amour. Dites-moi, jeune homme, quel est votre nom? C'est l'habitude de la maison. Cher monsieur, je me nomme simplement Hardimédon. Hardimédon, Hardimédon, Hardimédon. C'est vraiment un Hardimédon. Hardimédon, Hardimédon. Oh!
discours délicieux. Les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, une physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Y en a qui vous regardent l'air étonné, d'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires, des pommes, des oranges ou des poires, les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Quel désir, quand nos yeux les devinent. Quel plaisir, quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des ponts et même des pointes quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Périclès et Fifi, nous nous protégerons cette façon de nous mettre en pièce. On risque en vérité de faire vérité toute sa célébrité. Voyons notre vie intime, tous ceux qui nous estiment iront messer de la prime. On nous a raconté tous ces gens qu'on surnomme honnêtes femmes et grands hommes ne valent pas mieux en somme que toute l'humanité. Pour des petits couchages ne sont pas davantage, mais d'un peu du chantage, ça va nous faire changer. Heureux si ce chandelle, charmant carré en bas.